Salut les amis, c'est Jeudi Dream, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouvel épisode du Wading Beat Challenge. Et désolée d'avoir coupé la fois passée comme une vilaine, comme j'aime bien parfois couper à des moments critiques. Mais voilà, j'avais super envie, donc voilà, cette maison que j'ai construite il y a quelques temps par rapport au temps vous et la vidéo. Vous l'aurez la semaine prochaine en timelapse, parce que voilà, et donc quand la série sera finie, je vous l'offrirai tout simplement, voilà, ça sera cadeau pour vous. Donc voilà, ici donc, allez avec ces quatre chéris. Donc qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous faire visiter la maison, donc voici déjà le hall d'entrée, qui est somptueux, la cuisine, la salle à manger, et le salon. Parce que je vais peut-être juste aller faire en sorte que tout le monde... Alors, Myriana a sa propre chambre à elle toute seule, donc il faut qu'elle grimpe à l'étage, et alors donc il y a un petit couloir qui passe comme ça, ici, et ça passe au-dessus de la piscine en fait. Et donc, bah, hop, je vais vous montrer, donc on marche jusqu'au couloir, et paf, on tombe dans la chambre de Myriana. Et donc dans cette chambre, elle a tout, hein. Enfin elle a tout, elle a juste pas pour manger, mais voilà, elle limite un petit studio elle toute seule, donc elle a un petit coin pour se faire belle, elle a un petit bureau avec sa garde-robe, et juste ici à côté, je lui ai fait une petite salle de bain privée, rien que pour elle. Donc voilà, c'est chouette, moi j'aime bien. Donc voilà la chambre de Myriana. Donc ici on a donc la salle de bain des garçons, que j'ai oublié de mettre des lampes, mais bon ça n'oublie, vous savez bien moi, un peu gaffeuse. Ici il y a la chambre de Don, parce que donc je l'ai vraiment faite vraiment pour lui, j'ai essayé vraiment de réfléchir par rapport au caractère des différents gars. Ici on a la chambre d'Alexandre. Voilà, tout simplement, voilà, que ça reste sobre, simple. Pourquoi ça s'allume pas, allumer tous les éclairages? Ça s'allume absolument pas cet éclairage, ça montre la merde. Ici c'est une chambre vide, et donc il y a deux chambres vides, donc il y a une chambre... Et donc là ici c'est la chambre de Travis. Voilà, tout simplement, donc j'ai fait une chambre un peu plus geek pour lui, voilà, tout simplement, vraiment, j'ai vraiment essayé de faire un truc bien. Et donc ici, comme Malcolm vient d'arriver, et que on a 300 000 simplous, c'est abominable. Et tout ça sans tricher les gars, on joue juste avec les trucs du jeu, on chope des mecs, on prend leur fric, c'est horrible. Bon. Donc ici, on va mettre la chambre de Malcolm. Ça peut être chouette, on a plus des éclairages en trop qu'on avait eu, c'est nickel, on va s'en servir. Donc voilà, c'est super. La chambre de Malcolm... la poubelle, ça on va la mettre dehors ici, on va la mettre là, voilà. Toi tu vas hop voilà ici, on va la faire dans les tons de bleu. Oh non, j'avais déjà fait dans les tons de bleu la chambre, donc on va mettre le lit de Malcolm ici, voilà, comme ça. La petite garde-robe ici comme ça. Ça on vend, hein, parce qu'on en a besoin, voilà. Ça aussi, hein, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Ça. On va mettre une petite plante ici. Un petit tapis dans la chambre, ça peut être sympathique. Non, on peut pas mettre de tapis. Pourquoi il veut pas? Ah voilà. Voilà, beau grand tapis pour faire joli comme tout. Hop. Hop. On n'a pas besoin, on a déjà la blinde ici, vous allez voir. Hop, les poids, on s'en bat les steaks. Voilà, comme ça. On en vend un. On met les miroirs ici. Ça fait plus cosy, hein, ça fait mieux. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. Hop. Ça, est-ce que je peux changer la couleur? Ouais, bof. On va garder là, cette couleur-là. Ici, voilà, comme ça. Ah oui, bah voilà, les trucs de Travis, on va les mettre... Est-ce qu'on va les mettre, on va les mettre là. Tiens, hop, toi, t'as une lampe en plus ici, et toi, t'as une lampe en plus là, voilà. Et est-ce qu'on peut mettre une lampe en plus quelque part? On va la mettre ici, voilà. On sait jamais, okay, on aura un autre petit copain, hein, les gars. On a... Hop, un truc ici comme ça. Je vais mettre ça là, comme ça, ici, au cas où. On a un truc d'échec. J'ai pas pensé, mais c'est qu'on pourrait l'ajouter. Je vais l'ajouter ici, je vais le mettre là dans le coin. Ça sera nickel.
Voilà, comme ça. Et on va relooker. Voilà, comme ça on a un truc d'échec, ça c'est super. La chambre de Malcolm. On va mettre les différents tableaux que j'ai gardés. Le reste, on vend. Voilà. On a un super joli bureau qu'on va placer ici. Voilà. Hop, non, on peut pas mettre plus. D'accord, c'est bon, ok. Hop, ça ici. Des chaises de bureau ici. Ça, c'est super pratique, quoi. Avec le truc et le bord du tapis, il va se prendre chaque fois le bord du tapis, mais on s'en fout. Désolé, les gars, je profite. Merde, attendez. Je fais de la merde. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on peut mettre des tapis un peu plus pour décorer? Ça peut être chouette. Voilà, ah ouais, là c'est chouette, là c'est bien. Bof. Ah zut, mes manettes de Xbox! Bon d'accord, ok, tant pis, hein. Voilà, ici, on va mettre un seau de champagne dans la chambre de Myriana. Je peux en mettre un? C'est quoi ce bordel? On va mettre un là, je peux en mettre un, où est-ce qu'on peut le mettre? Bon, je vais mettre par terre en attendant, c'est peut-être pas idéal, mais on s'en fout. Toi, tu dégages. Toi aussi. Toi aussi. Dans la chambre d'Alexandre, on va mettre les trucs là qu'il a eu du boulot. Voilà, comme ça c'est bien. Ça on va jeter. Hop, voilà comme ça. Ça on en a pas besoin. Bah nous on tient incendie. On peut le mettre où? On va le mettre ici, voilà, comme ça. Oh non, je sais, on va le mettre derrière en dessous rez-de-chaussée, derrière là, voilà, comme ça. Les petites plantes qu'on a, on a des petites plantes qui nous servent strictement à rien. On va en mettre, décorer un petit peu, profiter qu'on les a pour décorer. Voilà, hop, ça, on balance, ça. Ah non, attendez. On va mettre une ici comme ça, avec la petite lampe dessus, voilà, comme ça. La chambre de Malcolm, on va mettre ça là ici. Désolé les gars, j'arrange tout. Hein, désolé si c'est un petit peu saoulant pour vous. Et vous allez voir aussi ce que j'ai fait, tiens. Vous allez voir ce que j'ai fait, vous allez vous dire non, jeudi, t'as pas fait ça. Ben si. Vous allez voir, j'ai fait un truc, mais les gars, mais c'est tellement génial. Donc, j'ai fait une idée que vous vouliez que je fasse depuis un petit temps. Certains d'entre vous m'avaient parlé que je fasse, eh bien, une salle. Enfin, pas une salle, mais que je mette les tombes des gens qui sont morts dans le jardin. Eh bien, c'est chose faite, sauf que ce n'est pas dans le jardin. Donc, comme vous pouvez voir, on sait descendre. Et donc descendre, ça donne accès à un magnifique endroit. Et donc je vais vous montrer. Donc en dessous, j'ai fait une salle de fête en fait. Attendez, parce que Malcolm, là, il va être fatigué sinon. Hop. Allez, va dormir mon chéri. Hop, voilà. Donc voilà, déjà en dessous, donc quand vous arrivez, donc vous arrivez ici. Par ici. Et donc vous avez une salle de fête super belle qui donne la vue sur les gens qui nagent dans la piscine. Donc là, il y a des toilettes, enfin non, salle de bain vraiment complète. Et juste ici, il y a ce que j'appelle la love room. Donc voilà, c'est la pièce la plus, entre guillemets, je veux dire, romantique de la maison, qui est bien pour... Enfin, vous avez compris, quoi, hein, vous savez ce que c'est le but de challenge. Donc voilà, et il y a aussi une salle un peu plus glauque. Oh, l'anniversaire d'Aton ! Il y a une salle un peu plus glauque où, eh bien, on pourra... Je sais pas, où la porte pourrait se coincer, peut-être, des fois. Voilà, cette pièce-ci... voilà, c'est cette pièce-ci. Donc on peut graver l'épitaphe. Au père gothique à qui j'ai pompé
tout son fric. On fait des rimes à tant qu'à faire. Et Adji un peu trop con. Adji un peu trop con, voilà. Hops. Donc voilà. Chaque fois, donc je vais mettre l'épitaphe. Donc c'est des épitaphes que j'ai eu dans un mode. Hein, c'est pas celle de. Donc voilà, je vais mettre ici toutes les tombes des gars que Myriana aura eu. C'est purement immonde, mais voilà. Donc pour pas que les mecs se demandent trop quoi, voilà, là ça a été un petit peu bizarre. Donc voilà. Un objectif que j'aimerais bien réussir aussi à faire dans ce let's play, c'est d'essayer de choper toutes les récompenses de trucs. Ah oui, ce truc que je vous ai pas dit. Donc il y a un super beau jardin aussi, j'ai oublié de vous le dire. On sort par l'arrière ici. On sortit aussi par la cuisine. Donc avec une petite balancelle. Et donc vous avez un truc pour prendre un petit peu le soleil. Et donc vous avez un coin jacuzzi avec des bougies et tout ça, un petit peu romantique. Et alors ben, l'autre côté de la piscine, vous avez barbecue, radio un peu à l'abri pour pas s'y pleurer dessus, un petit peu de roleplay. Le truc de Tiki pour ben, voilà, faire la fête, pour faire le barbecue. Là j'ai mis des trucs pour les compétences. Et juste ici en fait, il y a... Donc c'est en dessous de la chambre de Myriana, donc la chambre de Myriana on y a accès juste par par le bâtiment principal. Mais juste en dessous, chambre de Myriana, vous avez une salle de sport avec des toilettes hein, au cas où, hein, pour pas se retaper tout le truc. Et également une salle pour faire des pour avoir des massages. Donc voilà, là les gars, je sais pas ce que vous en pensez de cette maison. Mais voilà, elle m'a pris énormément de temps pour la construire. Je l'ai fait d'un jet, donc je l'ai fait sans m'arrêter. Donc le prochain épisode du Wedding Beach Challenge, ça sera un épisode spécial en fait, où je vais pas parler comme je fais ici. Ça sera un timelapse en fait de la construction quasi entière, parce qu'il y a juste quelques petits trucs un peu peaufinés. Il y a juste une partie du jardin que vous verrez pas, mais c'est vraiment une toute petite partie. Je crois que c'est 2-3 objets que j'ai rajoutés en plus. Donc voilà quoi. Et donc la chambre de Malcolm que là je viens de modifier. Donc... voilà, voilou. Donc c'est, je trouve ça franchement cool. Je suis très très contente d'avoir fait ça, d'avoir fait cette maison, parce que c'est nickel. Bon, par contre, Myriana va prendre 300 ans pour aller manger, mais ça, voilà, on s'en fout. Donc ça, ce qui est bien déjà, c'est qu'il y a des plats qui sont tout prêts. Donc voilà. Donc ici au niveau de la cuisine, vous voyez, il y a tout le confort. Il y a pour faire des glaces, il y a pour faire du café, du thé, pour cuire les trucs. Je songe même à placer la petite machine à cupcake dans un coin ici, parce qu'on a encore de la place. Hein. Il suffirait juste un petit peu de décaler ou quoi. Enfin voilà. Mais je pense qu'à moins de la mettre, bien ne serait-ce que de placer donc les trucs ici, les mettre là sur le coin. Enfin, je pense qu'à moins de la mettre, de toute façon avec tout l'argent qu'on a, je pense vraiment qu'il y a moyen. Donc voilà, notre petit ici, donc ce qui est chouette, c'est que donc aussi j'ai profité de... Enfin j'ai fait plusieurs salles de bain, donc comme ça, pas de prise de tête, c'est beaucoup plus facile. Prendre une douche tonifiante, c'est mieux. Voilà. Et notre petit Malcolm, eh ben, il y a une autre salle de bain en dessous, ne te tracasse pas. Ouvrir, tu vas aller manger un petit bout aussi, voilà, prendre une portion. Et puis après notre... Quoi? Il est toujours ado? Non, il n'est pas ado, je me disais aussi, c'est des restes de quand il était ado. Utiliser, prendre une douche tonifiante, et voilà. Donc voilà, donc un truc qui est bien aussi, c'est qu'avec Malcolm, je pense qu'on va le garder pendant un petit moment, parce que c'est que Malcolm a le trait malveillant. Et donc je me dis que Malcolm, ce serait très bien, ça pourrait très bien être lui en fait, qui pourrait bloquer les portes, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Oula, elle s'ennuie la petite, donc c'est pas grave. Donc ce qui est... Attendez, hop. Je pourrais juste ranger ça, ma belle. Prends ta douche ou tu prends un bain. Ouais, j'ai pas mis de baignoire ici. Ah oui, c'est vraiment un truc rapide. Pourquoi tu ne fais rien? Ah oui, parce que tu n'as pas le temps. Ok, d'accord. Tu vas regarder la téloche, regarder la chaîne... chaîne d'action, voilà. Avant d'aller travailler, ça peut être chouette. Travis, 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 qu'est-ce que tu peux faire? On va dire qu'on manque de salle de bain quand même. Don, ça va, il roupie toujours. Donc, enfin, voilà, donc vous voyez, c'est vraiment une super grande maison. Hein. Je me suis pas moquée de vous. Il y a encore des salles de bain en dessous, enfin vous savez bien, mais bon, voilà, je pense que pour le moment c'est suffisant. On n'avait que deux salles de bain dans l'autre, donc on a toujours su quand même correctement gérer les choses. Donc voilà. J'aime beaucoup ma maison, je la trouve vraiment très chouette, j'en suis très fière. Ouais, je suis très contente.
très très contente. Bon, toi, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas ouvrir, tu vas vite manger un truc, bouffer un bout aussi, prendre une portion, voilà. La miss, elle, elle est déjà enjôleuse, c'est fait. Et à combien est-ce qu'on est de jours? Dans 4 jours, donc il y a moyen. Donc ce qu'on pourra faire, donc c'est bientôt l'anniversaire de Travis et de Don. Donc ce qu'on va faire, eh ben, nous allons tout simplement, eh bien, bah, pas les enfermer tout de suite. Hein, on va essayer déjà, donc où est-ce qu'ils en sont dans leur truc? Ah, il va devenir une personne âgée et Travis va devenir une personne âgée aussi? Oh my god! Ça va être une maison de retraite, c'est pas possible! Ah mais non! Ah mais non! Ah mais non! Il y a encore une cuisine ici. Oh purée, mais non! Bon bah tant pis, hein. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse acquérir pas mal de trucs. Bon bah écoutez, c'est pas grave, je vais vraiment essayer de carburer avec Travis. Ouais, écoute. Ouais, écoute, non, tu vas aller bosser, je suis désolée. Tu vas aller bosser, il faut absolument faire les trucs. Toi, tu dois faire quoi? Interaction malicieuse. Est-ce qu'on a des voisins un peu chiants? Ah! Oups! Poum poum poum! Bonjour Bob Pancake. Tentation grossière. Non, ah non, amicale. Voilà, amicale, parce que c'est bien. Parce que c'est bien. Allez! Bonjour! Vous allez bien, mon cher voisin? Oh, mon Dieu, charmant. Oups. Plus de choix. Malice. Panier main apaisante. Ça fait quoi? Je sais pas du tout ce que ça fait. Malice. Aspirer une confiance injustifiée. Mais je vous taquine! Je rigole! Ah! Ah bah d'accord. Ok, bon c'est pas grave, on va le laisser roupiller. Elle, oulala là 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 là, la miss, oulala là là là, la miss, tu vas vite, bah, vite faire tout ce qu'il faut. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Oulala là 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 là. Bon, c'est pas facile à gérer parce que la maison est beaucoup plus grande que l'autre. Bah du coup c'est un petit peu plus compliqué. Prendre une douche, voilà. Et après tu vas aller manger. Ouvrir, tu vas manger un petit bout, voilà, prendre une portion. Et il a terminé sa tâche du jour, donc oui, il va devoir aller bosser aujourd'hui, donc on va vraiment essayer de le faire bien pour qu'il puisse avoir une promotion. Donc lui, c'est fait, on s'en est occupé. Elle, elle s'ennuie, mais elle s'emmerde, mais totalement ferme. Donc on va regarder, regarder la chaîne de romance. Voilà. Hop. Et... Donc, oh, s'excuser, je suis désolée, je suis désolée, mon bon monsieur, je n'ai pas voulu. Eng. Bon, c'est bien. Plus de choix, je suis désolée, je n'ai pas voulu. Voilà, spin quand ça justifié. Plus de choix, malice. Inviter une fausse soirée. Malice. Mentir sur sa carrière. Ah. C'est bien ça. Donne de fausses mauvaises nouvelles. Ok, toi, tu vas faire quoi? Ok, c'est bon. Elle se détend devant les trucs, c'est nickel. Elle va déjà mieux, me semble. Oui, c'est super. C'est parfait, les amis. C'est parfait. Je vais vite, juste en vite à sauvegarder. Parce que parfois, j'ai mon jeu qui plante un petit peu. Donc, autant éviter ben, que ça. Ah, notre petit Don. Oh, il va aller près d'elle. Oh, c'est trop chou. Oh, qu'il est gentil, Don. Oh, quel homme. Quel homme, quel homme, quel homme. Est-ce que lui, il a fait tout ce qu'il fallait? Il a fait tout ce qu'il fallait! C'est super!
Donc c'est bien, nous allons pouvoir nous asseoir ici. On peut s'asseoir ici, voilà. Ok, bah. Ok, d'accord. Bon, toi, ce que tu vas faire, mon petit Don, mon petit chéri, tu vas aller préparer des repas. Tu vas cuisiner. Oh, je sais ce qu'il va faire, notre petit Don. Il va faire un petit gâteau au chocolat. Il va faire un petit gâteau au chocolat. Il va nous faire un petit gâteau au chocolat aujourd'hui. Cours de cuisine avec Don dans sa nouvelle magnifique cuisine. C'est superbe, fantastique. Qu'en pensez-vous? Moi, je kiffe. Et les gars, un truc qui est super cool, c'est vrai que je vous montre ça plus tard. Oh, bah c'est, oh, bah c'est bien, on est tous les deux tout seuls. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tenter un rapprochement. Non, mec. Oh merde, ça s'est raté, ça. On va faire connaissance, hein, aussi. Hein. Se rattraper, voilà. Oula, c'est, j'ai l'impression que ça bug, ces canapés. Ouais, j'ai l'impression que ça bug. Ouais, ça bug carrément. Bon. On n'est pas chanceux, les gars. Eh bien, les petits sushis, je vais vous laisser. On arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ça, bah, que cet épisode vous a plu. Je vous fais des tonnes de bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous appréciez la maison, si vous appréciez toujours la série. Et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous faites de la maison. Voilà, est-ce que vous la trouvez belle? Est-ce que vous la trouvez pratique, grande? Enfin oui, c'est un très grand terrain. Est-ce que, enfin voilà, est-ce que vous, en vrai, vous adoriez avoir une baraque comme ça? Voilà, tout simplement. Donc voilà, plein de bisous à vous, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.